Moi, la question que je vais te poser, monsieur le calamar, Johnny le tunnel, est-ce que ce que tu viens de décrire là, c'est bon ou c'est mauvais? Ce que tu viens de décrire là. C'est-à-dire, tu parles des problèmes, des fléaux, des différents, avec D à la fin, DS. Des différents, des problèmes, des fléaux, des mots, M-A-U-X, des autres pays. Quand bien même que tu n'es pas citoyen de ces pays-là, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Sûrement, pour quelqu'un lucide, comme nous autres qui avons eu le bac, contrairement à toi, c'est une bonne chose. Alors, ma question est la suivante, si tu étais en face de moi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous les pays africains n'ont plus de problèmes? Ils n'ont plus de difficultés. Et toi, c'est Dramane Ouattara qui est ta lumière et Gbagbo Laurent qui représente tes ténèbres. Pourquoi ce revirement? Les Congolais dont tu parles, les Togolais dont tu parles, les Burkinabés dont tu vas parler, les Omer dont tu parles, tu les défendais hier parce que ces gens avaient des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui ces gens n'ont pas de problèmes? Les terreaux malmènent les gens. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Il y a des coups d'État partout, tu ne parles pas. Coup d'État de Ali Bongo, tu n'as pas parlé. Parce que ton Dramane est d'accord avec la preuve, il a reçu, M. Clotet. Mais coup d'État du Burkina, là-bas, tu parles. Toi, tu es devenu quel genre de personne? Tu vois, toi-même, faut voir un peu ton histoire, faut voir un peu ta traçabilité. Tu es devenu quel genre de personne? Tu es devenu un déchet de la nature. Tu représentes comme capuchon. C'est comment on appelle ça? La boisson, c'est quoi? On ouvre comme ça, là, c'est capuchon, non? Mais capsule, pardon, capsule de bouteille. Qu'on peut fouler au pied et continuer le chemin. Tu n'as même plus la logique et l'humanisme en toi. Les Africains souffrent. Les gens voulaient attaquer le Niger. Tu n'as pas parlé. Alors, la question est la suivante. Lorsqu'on quitte Gbagbo Laurent, on devient démon. Est-ce que la règle, c'est ce que Dieu t'a dit dans ta Bible? Quand tu quittes Gbagbo Laurent, que tu parles pour Dramane, automatiquement, tu deviens Satan. Ça veut dire que toutes les mauvaises choses sont bonnes à tes yeux et toutes les bonnes choses deviennent mauvaises à tes yeux. C'est comme ça que tu réagis actuellement. Le combat panafricain, ça ne te regarde pas. Mais c'est la dictature de Dramane qui te regarde. Et tu l'affirmes matin, midi, soir. Nous, on est au pouvoir jusqu'à l'an 2055. Et quand l'autre côté au Mali, les gens disent que non, parce que le pays est en guerre. Il faudrait que les politiques se calment un peu. Vous venez pour vous moquer. Tu as posté Assimi Goïta, tu te moques de lui. Genre, comme s'il est dictateur, un truc de ce genre. Mais entre Assimi Goïta et Dramane Ouattara, qui est le vrai dictateur? Tu vois, donc tu es devenu un déchet. C'est-à-dire que tu es venu surcharger les Africains. Tu vois? Et tu fais le lavage de cerveau de nos frères Djoula de Côte d'Ivoire. Tu vois, et chez eux, voilà un intellectuel. Donc, eux, ils voient en toi, vraiment, je ne sais pas, la lumière. Ils voient en toi la lucidité. Un homme éclairé qui les éclaire. Mais en réalité, tu es intelligent, mais tu le fais méchamment, sciemment. Tu es même dangereux pour la société africaine. C'est-à-dire, normalement, si l'Afrique était un seul pays, et que moi, j'étais le président de l'Afrique, toi, tu es digne d'être enfermé. Pour ne même plus faire vidéo encore. Même si tu n'as rien fait. Mais la manière dont tu réfléchis là, moi, j'allais prendre un décret spécial pour toi t'enfermer, pour te mettre en prison. Parce qu'on n'a même plus besoin d'une bouche comme ça de s'ouvrir à notre sein. Une telle bouche, on doit l'isoler. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'actuellement, là, tu n'as aucune goutte de vérité dans ta vie, dans toute ta vie. Là. Il n'y a aucune goutte de vérité. C'est-à-dire, tout ce que tu racontes, c'est tout sauf la vérité. Tu vois? Attends, la Bible dit que depuis le début, c'est Satan qui est le menteur. Depuis le début, depuis que le monde existe, Satan, sa manière dans la Bible, on dit que Satan était menteur. Il est le père du mensonge. Et c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là. Donc, on va continuer un peu avec toi. Continue. Après, on ne s'est pas arrêté là, on est allé au Gabon. On a attaqué Ali Bongo. Voilà. Tu as attaqué Ali Bongo, non? Mais tu n'as pas réussi à le faire tomber. Clotet est venu l'enlever. Tu n'as pas parlé. Tu n'as rien dit. Tu vois la sorcellerie? Tu n'as rien dit. Et tu as attaqué Ali Bongo, pourquoi? Il faut le dire ici. C'est parce que peut-être qu'il maltraitait le peuple. Mais Ali Bongo, c'est tout récemment, il est tombé, hein. Il n'y a pas longtemps où il est tombé, c'est tout récemment qu'il est tombé. Mais toi, tu es avec Dramane Ouattara, ça fait plus de un mandat, ça fait plus de 6-5 ans même que tu es avec lui. Depuis que tu as quitté Gbagbo Laurent, Ali Bongo est devenu un bon président. Tu ne l'as plus jamais critiqué. Il a fallu Clotet pour l'enlever. Et comme c'est le même système qui continue, Dramane l'a reçu. Et tu as fermé la gueule. C'est ça la triste réalité. Tu vois, on continue. On a attaqué Faure Yacine Bey. Tu as attaqué Faure Yacine Bey. Mais qui est toujours le président du Togo? C'est toujours Faure. Et les Togolais, matin, midi, soir, je vois dans les commentaires. Herman, il faut faire une vidéo sur nous aussi. Il faut parler aussi du Togo. On souffre ici. Le gars, il tire sur nous à balles réelles. Mais tu l'as attaqué dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur pour ne plus que tu l'attaques? Puisque le même est toujours président. Il s'apprête à faire 5e mandat. Il a duré au pouvoir que Dramane. Qu'est-ce qui s'est passé puis tu ne l'attaques plus? Et automatiquement, il est devenu ton ami. Parce que Dramane est proche de lui. Ce sont les mêmes types de dictateurs là. C'est pourquoi il dit tu n'as plus aucune goutte de vérité en toi. Tu n'as plus de vérité en toi, c'est fini ça. Tu n'es pas un être humain. Parce que je pense que la différence entre les animaux et nous, les êtres humains, c'est la conscience. Un homme qui n'a plus de conscience, mais c'est terminé. Comment en 2024, tu peux dire que nous, on a attaqué Faure,
Quand tu dis on attaquait fort, c'est comme si maintenant tu ne l'attaques plus. Comme si fort avait changé. Comme si les Togolais ont trouvé le paradis. Comme si les Togolais ne souffrent plus. Il faut appeler n'importe quel Togolais au téléphone. Il va te raconter la misère du Togo. Les gens souffrent là-bas. Et ils sont même oubliés parce que qui parle de personne ne parle d'eux. Bizarrement, nous on est concentrés sur l'AES. Donc les gens viennent ici, il faut parler du Togo, faut parler du Togo. Il y a d'autres gens qui viennent, faut parler du Cameroun. Je vois les commentaires. Mais nous on attend à ce que ces gens-là puissent faire des efforts pour que leur pays adhère à l'AES. Comme ça on est ensemble. Parce que nous on a déjà notre famille, c'est l'AES. Vous voyez, et l'AES est tellement mouvementée qu'on a même, on manque du temps même pour parler de nos frères, des autres personnes, des autres pays. Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui tu ne l'attaques plus? Tu ne peux pas le démontrer. Si on te pose la question, tu dis tu attaquais Faure Yacine Bey hier. Faure Yacine Bey est toujours président. Pourquoi tu ne l'attaques plus? Tu vas dire quoi? Il est un bon président maintenant. Tu vois? C'est ce que tu vas dire. Tu vas dire qu'il est un bon président. Sûrement, tu vas dire que non, maintenant il a changé, il ne fait plus les mauvaises choses. Tu es obligé de mentir comme ton mentor. Tu vois, tu mens comme ton mentor. Tu es obligé de mentir comme ton mentor. Et c'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Tu n'as pas de conviction personnelle. Ça fait pitié. On continue. Paul Biya, on a fait pleinement. Voilà. Donc tu as attaqué Paul Biya. La même question reste posée. Paul Biya, ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi tu ne l'attaques plus? Pourquoi tu ne l'attaques plus? Appartenir à Dramane Ouattara, c'est ne plus faire le combat, le bon combat. Soro était avec lui. Soro a malmené les Ivoiriens. Les sous tout sous aujourd'hui qui font l'offre avec les Babo Loura. Quand ils étaient avec Dramane Ouattara, c'est celle qu'il prenait pour charger sur sa tête. Quand tu es avec Dramane Ouattara, donc tu dois obliger. Il faut nous dire la vérité, puisque tu es avec eux, peut-être tu as le secret. Être avec lui, c'est être obligatoirement mauvais. On devient bon le jour qu'on n'est pas avec lui. Moi, c'est la question que je me pose. Parce que c'est parce que quand le Babo Loura que tu malmènes matin, midi, soir, là, quand tu étais avec lui, là, tu étais un humain. Tu étais vraiment, tu n'étais pas bon parce que tu es beaucoup injurieux. Mais au moins, ce que tu disais avait un sens. C'est-à-dire, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, tu dis, on attaquait le président du Cameroun, Paul Biya. Oh, il est toujours là. Ça fait plus de 4 décennies qu'il est là. Tu dis, on attaquait. C'est à croire que Paul Biya a changé aujourd'hui? Être avec Dramane Ouattara, c'est voir le changement dans tout ce qui est mauvais. Tu vois? C'est ça la triste réalité. Je prends le temps là-dessus parce que c'est ça qui est réellement ta personnalité. Le débat, après, on va le poursuivre parce que je ne peux même pas faire la moitié de cette vidéo. Sinon, j'ai fait 4 heures. Ne serait-ce que la moitié, j'ai fait 4 heures avec toi. Donc, on va faire 1 heure, peut-être 1h30 et puis je vais laisser. Demain encore, on continue. Parce que je dois parler d'autres personnes. Il est déjà midi ici. Mais je vais démontrer que ta personnalité a été vendue. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ta conscience. C'est-à-dire, toi, même quand tu coupes vidéo là, tu sais que ce que tu as dit là, c'est pas ce que tu devrais dire. Tu sais que ce que tu as dit là, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Tu sais que ce que tu viens de faire là, ce n'est pas digne de toi. Toi, tu peux couper direct et puis t'aller directement dans la douche pour te regarder dans le miroir. Tu es obligé de regarder télévision, de jouer avec ta femme, d'aller m'appeler un peu, ou bien de faire autre chose pour que tout ce que tu as dit là, ça puisse disparaître de ta tête. Et puis maintenant, tu t'emmènes à te regarder dans le miroir. Tu le sais très bien parce que tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu vois, c'est ça la triste réalité. Tu vois, donc ça veut dire que tu as vendu ton être. Pourquoi on nous appelle les êtres vivants? Ça veut dire on existe. Donc ton existence là doit avoir un sens. C'est pourquoi tu es un être. Tu as vendu ce être là. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour exister. Tu n'es plus un être vivant. Tu es devenu comme un robot, téléguidé. Tout ce que Dramane fait, c'est comme ça que tu marches. Ça, c'est pas un homme. Même pas moi que moi je suis là. Il y a certaines choses que moi je n'aime pas. Et souvent même, je me cache pas moi dans mon ventre. Je dis ici. Souvent je dis même, ils ont le truc qu'ils ont fait tout récemment là. J'ai parlé à mon propre parti politique. Il dit, mais on n'attend rien dans les directs. La page officielle du PPACI, tu bloques le volume, tu n'attends rien. Les gens cotisent. J'ai framponné. Parce que je n'ai pas aimé. On ne ferme pas la bouche partout. Et même notre leader l'a dit. Il dit, si vous avez quelque chose à dire, parlez. Comme ça, on saura ce que vous pensez. On ne peut pas juger, qualifier, classer un être humain sans l'avoir attendu. C'est pourquoi Dieu nous a donné la force, la puissance, la capacité de parler. Parce que si tu fermes ta bouche, on ne saura pas si tu es bête. On ne saura pas si tu es illettré. On ne saura pas si tu es mauvais. On ne saura pas si tu es inculte. On ne saura rien de toi parce que la bouche est fermée. Tu vois, aujourd'hui là, on te connaît bien parce que ta bouche parle. Et ce que tu dis n'est pas dans la logique, n'est pas dans la conscience que Dieu nous a donnée. N'est pas dans la réflexion dont Dieu nous a doté. Donc, automatiquement, tu perds, je veux dire, l'essence de ton existence. Parce qu'un homme qui existe, c'est un homme qui regarde un peu les valeurs humaines. C'est un homme qui regarde un peu les valeurs humaines pour essayer de se conformer à ses valeurs pour qu'on puisse l'appeler un être humain. C'est ça que tu es. Tu as vu que je relève le niveau. Pendant que toi, tu es dans les bêtises, moi, je te relève le niveau. Et ça, tu dis que toi, tu parles, toi, tu es intelligent que moi. On continue. Tellement de choses, vous comprenez. On a attaqué à l'époque Boni Yayi, l'ancien président du Bénin. Et voilà comment tous les Africains, à un moment donné. Mais quand tu parles du Bénin, l'ancien président, tu l'as attaqué, non? C'est parce qu'il n'était pas bon. Est-ce que le nouveau, il est bon? Le nouveau, il a eu à dire ici que lui va aller attaquer un pays africain. Tu ne l'as pas attaqué. Mais tu t'adresses aujourd'hui aux Africains pour démontrer à ces Africains que Babo Loura n'est pas panafricain.
Attends, hier, tu combattais ce Bowie-là, ce Bowie ou même quoi-là, à cause de l'Afrique, parce qu'il dirigeait mal le Togo. Mais le Bénin. Le président béninois qui est là aujourd'hui, là, Patrick Soulier, toi, tu penses que c'est un bon président? Toi, tu penses vraiment que c'est un bon président? Même les Togolais, tout le temps, ils viennent ici, les Béninois. Faut parler aussi pour nous. À part l'AES, il n'y a pas bon président en Afrique, tu le sais. Je veux dire en Afrique de l'Ouest, je ne parle pas du Rwanda, même eux-mêmes, c'est les mauvais même. Ils sont en train de fatiguer les Congolais, mais bon. Mais je vais parler de chez nous ici en Afrique de l'Ouest. Tu le sais très bien. Les présidents qui se battent pour leur peuple, les présidents qui se battent pour le bien-être, la souveraineté, la dignité, l'honneur de l'Afrique, c'est les trois présidents que tu connais là. Ceux que tu t'apprêtes à insulter là, y compris Babo Laurent. Voici les présidents qui se sont battus et qui se battent pour l'honneur. Tous les autres là, c'est des mangeurs. C'est la mangécratie, la politique alimentaire, tu le sais très bien. On m'a dit que toi, on te donne rien. J'ai un camarade, une dame m'a appelé pour m'expliquer un peu la vie même de Johnny, mais après, j'ai dit que ça ne me regarde pas. Vous voyez? Quand j'ai dit Bailly Luc, la dame m'a écrit sur email, l'email qui est sur la page Facebook, et la personne dit, ah, comment tu as connu le nom? Et j'ai expliqué, j'ai répondu, non, c'est lui-même qui a dit. Il dit, ah, je suis parenté à lui. Et elle m'a tout expliqué. J'ai même voulu l'enregistrer, mais j'ai dit, non, je ne ferai pas ça. Je connais un peu les détails de ta vie. Et ça ne m'intéresse. Je ne vais même pas entamer ça. Je ne suis pas comme ça, frère. Si toi, on t'a dit pour moi, tu peux dire. Hein? Moi, j'ai dit, rien ne me fait honte. Moi qui suis devant toi, là, ma vie. Il n'y a pas, Yannick, rien ne me fait honte dans ma vie. Aucun domaine. Et moi-même, je l'ai dit la fois dernière, je suis en train de mettre ça dans un livre, frère. D'ici quelques années. C'est parce que ça fait des codes qui fait que souvent, je peux faire deux mois, trois mois sans même ouvrir le Word pour écrire. Mais d'ici quelques années, quand je me marie, on va avoir un travail, oh, c'est un best free, là. Et terminer ça. Ils vont éditer ça, ils vont recorriger ça. Il peut même donner ça à Bobo Laurent, il va éditer, il va corriger. Il sera le co-auteur si tu veux. Et puis il va diffuser ça. Quand tu vas lire là, tu seras fier de moi. Voilà un homme qui mangeait la poubelle, qui aujourd'hui finance les études de quelqu'un. Qui s'est fait lui seul, qui n'a jamais eu cadeau de Noël. Johnny, moi, toute ma vie, je n'ai jamais eu cadeau de Noël. Les joueurs vont même piler, puis ça fait. Je connais pas ça. Jamais, mon frère. Tu comprends? Et je n'ai jamais tué cigarette. Je n'ai jamais pris bain. Je n'ai jamais graissé femme. J'ai déjà embrassé, je n'ai pas menti. On a déjà fait les oh oh oh. Ça, je n'ai pas menti. Aujourd'hui est dimanche. Mais moi, quand tu vois là, même pour dire, même jusqu'à présent, je n'ai jamais fait ça. J'ai connu une vie difficile, mais j'ai évité une vie que vous avez vécue à la fessie, avec la machette, avec les drogues, les couteaux. Moi, j'ai évité ça. J'ai pu éviter ça par la force de Dieu et la force de la logique. Donc, ma vie là, rien ne fait honte dans ma vie. Ma vie même est un témoignage. Tu vois? Et je ne suis pas sûr que ma vie ressemble à la tienne. Parce que toi, tu es un nul. Tu es un fraliste. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut expliquer de ta vie qui peut inspirer quelqu'un. Toi, tu peux expliquer ta vie et puis les gens sont touchés, toi. Toi, un fuyard. Toi, un traître de la nation. Aujourd'hui, je suis prêt à ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que je défends ma nation. Je défends la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Peu importe le nombre d'années que ça prendra. Jamais je ne retournerai ma veste. Moi que tu vois. Jamais je ne. Même si Gbagbo Laurent devient RADP, moi, j'ai créé mon parti politique. C'est-à-dire, si Gbagbo Laurent devient RADP, comme il n'y a plus un parti politique où je vais rentrer avec tout mon cœur et que je ne fais pas les choses comme tu le fais là, de manière, je vais dire, à contre-cœur, je vais créer mon petit mouvement. Juste pour continuer à parler. Et si ça prend, on va aller battre campagne. On va aller battre. Ah oui, pour battre. Pour prendre un parti politique, il faut être citoyen du pays. Je suis un citoyen ivoirien. Tu vois un peu, non? Voilà. Même si Gbagbo que j'aime, que je respecterai jusqu'à ma mort, si demain il devient plus le RADP, moi, je n'ai pas fait comme les guêpes là. Je ne ferai jamais comme les Amira Blindé. Moi, connaissant Alassane Ouattara, au moins si c'était un homme bon, que mon mentor le suit, bon, comme il est bon, on peut le suivre. Mais moi, connaissant Alassane Ouattara, ne serait-ce que la manière dont il a pris le pouvoir, c'est-à-dire, comme toi-même tu le dis, les crânes humaines qui sont tombées pour qu'il prenne le pouvoir, ne serait-ce que ça, ça m'empêche même d'aller là-bas. C'est comme si je me moque de mes grands frères qui sont tombés hier. Mais au-delà de ça, casser les maisons sans reloger les gens. Mettre les gens en prison arbitrairement, sans les juger. Les fioles passent, les leaders disparaissent. Et c'est toujours un clan qui meurt. Tous ceux qui vont là, c'est ceux qui sont citoyens ivoiriens. Les voltaïques comme lui là, ils sont toujours vivants. Bien portants. Mais c'est la maître Bakayoko là, comme ils ont entendu que le monsieur veut faire aussi politique, veut prendre le pouvoir aussi le côté d'une manière manérale. Un bon matin, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à son poumon. Vous voyez, ces gens là, mon frère, je préfère rester ici. Et moi, dès que je me marie, je dis à ma femme. Je dis bon. Toi-même, tu sais que je parle politique. Tant que ce parti politique-là, c'est même pas faire des dramas, mais le RADP, RDR, tant que ce parti politique est au pouvoir, si quelque chose m'arrive, même si ça vous fait cendre, il faut me faire en cendre.
Même si c'est pour faire cendre, si on dit il n'y a plus place, et on va le brûler. Il n'aura qu'à faire cendre. Que de prendre mon truc pour aller mettre ça là-bas sous les dramans. Jamais. Jamais, frère. Je ne veux pas que mon âme soit là-bas avec des gens qui ont tué les autres. Jamais je ne le ferai. Tu vois? C'est ça la différence entre toi et nous. Tu vois? Tu n'as même pas recommencé la vidéo, hein? Mais je te dis en même temps. Et c'est ça le fait. C'est ça. C'est pour ça que tu n'es pas garçon. Sinon, les autres la peuvent trahir aussi comme tu as trahi. Hein? Par exemple, Hervé Djédié, qu'est-ce qui l'empêche de trahir? Il peut devenir RADP. Puisque lui, je l'ai même vu avec Amira Blindé, je crois. Avec Amira Blindé même. Entre Amira Blindé ou bien Ladi Sherif, entre les deux, tout récemment. Comme c'est les choses qui m'intéressent pas, donc je suis pas, je passe vite, vite. Mais je l'ai vu avec quelqu'un, André, c'était. Ils sont quelque part dans la rue, attendent de faire selfie, et puis les deux parlaient. Donc c'est les gens, voilà. Ils peuvent facilement. Ils, voilà. Ils sont dans, et puis ils sont dans la même France là, donc c'est facile. Nous, moi ici, je suis dans un autre continent, très loin de vous. C'est pourquoi vous voyez, je ne suis pas à des marches, je ne peux pas aller à des marches, parce que ici, qui va marcher? Un pays qui rassemble plus de 50 pays, mais je suis le seul cyberactiviste de Gbagbo. À quel moment on va marcher? Quelqu'un tape. Quelqu'un te fait trouble. Tu lui dis, ah, est-ce qu'on peut causer par message? Parce que je ne peux pas parler au téléphone. Les leaders d'ici. Tu lui dis, ah, on peut causer par message. Il ne te répond plus. Il ne t'écrit plus. Il est fâché. Comment on peut s'organiser pour dire, on va faire une petite marche quelque part? Comment? On dit, non, il y a des responsables de Californie. Oh, je ne les connais même pas. C'est-à-dire, le seul cyberactiviste du PPACI, tout grand PPACI, là, tout grand États-Unis, là, je suis le seul cyberactiviste. Mais qui cherche même à faire truc? Vous voyez? C'est ça la triste réalité, mon frère. Donc, c'est ça, on dit, on parle par conviction. Même si il y a certaines choses qui peuvent nous décourager, jamais je n'irai au RADP. Moi. Et toutes les personnes que moi j'ai critiquées, et c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, parce que cette vidéo-là, je vais faire au moins 10 vidéos sur cette vidéo seule, parce que tu as dit beaucoup de choses, je suis sûr. Tu as dit beaucoup de choses. Peut-être même dans cette même journée-là, quand elle finit avec l'AES, là, vers la soirée, vers les, tout le midi ici, vers la soirée, je vais revenir encore sur toi. Pourquoi on parle maintenant de Gbagbo Laurent? Mais aujourd'hui, je te donne un peu le briefing. Ce qu'elle fait là, ça, c'est le préambule. Pour te montrer combien de fois je suis prêt là. Ça, regarde mon préambule, mon introduction. Parce que tu es de retour. Je t'attendais, ça fait 5 jours, t'attends. Je suis coagulé. Il faut que je me décoisse. Il faut que je me décoisse. Toi, je t'attendais, frère. Et toi, tu as dit dans ta bouche là, la vidéo que tu as faite, tu as dit que moi, je n'ai pas fait débat avec toi. Quand tu m'écoutes là, tu penses que c'est un enfant et c'est un plaisantin. Toi, tu penses que lui, c'est de la Côte d'Ivoire, on peut tronquer ça devant moi. Quand tu m'écoutes, toi, tu m'écoutes, tu vois pas. Vrai, faut rentrer en toi-même. Quand tu m'écoutes là, tu penses que moi, je suis un plaisantin. Je ne suis pas un plaisantin, mon frère. Voilà, je ne suis pas un plaisantin. Tout ce que tu as de plus que moi, c'est que tu agis que moi. C'est tout. Dans la vie, dans toute la vie, matin, midi, soir, tout ce que tu as de plus que moi, là, c'est que tu agis que moi. Et on peut ajouter peut-être, tu as une famille, c'est-à-dire une femme et des enfants. Ce que je n'ai pas encore. Pas parce que je ne veux pas et je ne peux pas, mais parce que le temps n'est pas encore arrivé. Puisque je ne vais pas prendre une vieille femme blanche pour casser mes reins matin, midi, soir. Là, je prendrai tout mon temps. Mais ne t'inquiète pas, ça y est tout prêt, comme tomateau. Ça y est, à l'horizon, ça vient. À part ça, là, tu n'as rien de plus que moi, frère. Et c'est pourquoi tu m'as fui. Et ça restera dans l'histoire. Je suis le seul dont tu as fui le clash. Puisque tu l'as commencé. Si tu ne m'avais jamais répondu, on va dire, bon, il ne te calcule pas. Mais tu m'as répondu. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu presque 30 minutes même. Tu parles seulement, tu vas dans la voiture, tu marches dans la neige. Tu vas dans l'université, tu fais documentaire. Tu vois? Et moi, je réplique et puis tu ne parles plus. Tu fais 5 jours avant de sortir. Donc, l'histoire retiendra que tu as fui le clash avec Herman le patriote. Et je suis toujours prêt. Le jour où tu es prêt, il faut me faire signe, on va continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, pour maintenant, parce que je vais parler de l'AES, j'ai envie de te parler un peu de l'AES. Est-ce que vous voulez que je continue un peu? On est presque à une heure. Ou bien les préambules, on va s'arrêter là. Ça, c'est seulement les préambules. Après, on va revenir pour parler un peu de panafricanisme. Parce qu'il dit, il veut démontrer que Gbagbo Laurent n'est pas panafricaniste. Donc, lui, c'est son introduction que vous avez écoutée. Et moi, c'est mon introduction. Moi, j'appelle ça les préambules. C'est pour moi que vous avez écouté. Je pense qu'un intellectuel qui va comparer les deux introductions, ce n'est pas le même niveau. Mon niveau est trop élevé que toi, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Et je fais l'effort de le rendre plus bas pour que tout le monde me comprenne. Je fais l'effort, mais de ne même pas chercher à mettre gros mots dans mon français. S'il y a des gros mots qui se glissent, c'est que je n'ai pas un autre mot pour les échanger. Sinon, moi, je ne pense même pas à parler gros français. Tu vois? Mais ce n'est pas facile pour que tu puisses entendre là à la place de l'e. Hein, ce n'est pas facile. Hein. Quelqu'un qui parle rapidement comme ça, là, ce n'est pas facile. Donc, chers camarades, on va continuer un peu. J'ai envie de continuer un peu. On continue. Commencer à s'intéresser à la Jossi Gang et à Johnny Pacheco. Et donc, c'est normal que quand nous on vient pour parler du président Alassane Ouattara, ces Africains à qui on a prêté secours, mais se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser de notre cause. Ah, voilà comment. C'est français là, les Gabonais se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser avec nous. Tu vois ton français? Il y a le vent au Dieu. Hein. Tu vois ton français? Et puis même si on enlève ton faux français que tu as parlé là, est-ce que ça la met ça a un sens?
Tu dis que hier, on les a attaqués. Donc aujourd'hui, quand on parle pour Drama Ouattara, ces gens-là se sentent solidaires. Ils viennent nous regarder. Toi, t'es sûr qu'il y a un Togolais qui te regarde? Un Gabonais? C'est les Djoulas qui te regardent, les Djoulas de Côte d'Ivoire. Les Djoulas du RDR, plus précisément. C'est eux qui te regardent, hein? Mais arrête de te détromper. Toi, tu penses que l'Afrique te regarde et puis en 5 heures, tu as 9000 vues? L'Afrique te regarde et puis tu as partagé le lien de la même vidéo sur Facebook. C'est-à-dire que tu n'as pas fait ça sur Facebook. Par exemple, c'est comment ils sont en train de faire là. Toi, c'est pas ce que tu as fait. C'est-à-dire la même vidéo, tu contrais les gens de Facebook à venir te suivre. Et puis tu as pris 5 jours. Donc tout le monde veut voir ce que tu vas dire. Après 5 jours de pause. Donc tu partages la même vidéo sur une page qui a presque 300 000 followers. Et tu fais le direct sur une page qui a 215 000 followers. Donc c'est à peu près 500 000 followers qui t'ont regardé. Parmi les 500 000, c'est les RDL à ce moment qui t'ont regardé. Les Africains ne sont plus intéressés à toi. Hein. Tu as compris ou pas? Ah oui, il faut te détromper quoi, ils se sentent solidaires. C'est normal qu'ils se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel français ça là? C'est normal qu'ils se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser avec nous. Hé, hey, mon frère, tu es fort. Solidaire dans l'obligation de se solidariser. Adamant, on peut faire ça. Hé, hey, le tunnel. Les Camerounais s'invitent dans nos combats. Les Congolais, les Togolais, etc., etc., s'invitent dans nos combats. Et puis toi, t'as fait le combat. Et parallèlement à ça, il y a Abel Naki qui avait créé le cri panafricain. Mm-hmm. Le cri panafricain. Mais en réalité, Bagolera lui-même en Côte d'Ivoire n'a jamais créé ce qu'on appelait un système de façon à ce qu'il y ait l'intégration de l'Afrique. De comment on appelle ça, du continent africain, mais l'intégration des peuples africains. Mais attends, le président Laurent Gbagbo, qui après un an a été frappé, et après encore en 2002 a été frappé, pourquoi quand vous parlez du président Laurent Gbagbo, vous ignorez le fait qu'on était en crise, ou si vous voulez, en guerre? Moi, c'est pas sérieux, je ne trouve pas ça normal. Tu vois comment tu parles? Il n'a pas créé quelque chose de panafricaniste. Attends, je peux te démontrer simplement qu'il était panafricain. Quand il dit en pleine guerre, quand il dit à la France, il dit, mais quelqu'un ne peut pas rester au fond chez lui là-bas et nous dire à nous, ici, chez nous en Afrique, qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Je ne l'accepterai pas, je ne vais jamais l'accepter et je ne l'accepterai jamais. Et c'est pourquoi je leur ai dit un bon matin que je ne suis pas un sous-préfet français. Ça, c'est pas un panafricain. Tu vois, non, tu ne peux pas faire débat avec moi à la télévision. Il y a ton nid. Tout est dans ma tête. Je n'ai même pas besoin de chercher des bouts de vidéos pour convaincre les gens. Parce que tout le monde sait de quoi je parle. Ça s'est passé devant nous, ça a été filmé, documenté, tout est sur YouTube. Quelqu'un qui n'est pas panafricain, qui est malmené par les rebelles, soutenu par les blancs, et qui parle comme ça des blancs, il n'est pas panafricain. Quelqu'un qui a créé le MIN, la monnaie de résistance ivoirienne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quand on dit une monnaie de résistance, mais on résiste contre l'Occident, on résiste contre les Toubabous, par conséquent, nous les Africains, on résiste. Mais quelqu'un n'est pas panafricain, il crée une monnaie de résistance. Moi-même, j'ai même touché le billet, le spécimen. Ayo pour config, ayo. Tu n'es pas sérieux. Quelqu'un qui n'est pas panafricain, mais qui a écrit des livres sur l'Afrique. Qui a étudié l'histoire du monde. Quelqu'un qui n'est pas panafricain, mais un jour, il a dit, moi, c'est le jour où la femme qui est à front, là, comment elle s'appelle, là? La femme, là, qui est bété traite aussi, là, comment elle s'appelle, là? Tchéné, Annie Tchéné, voilà. Le jour, ils ont fait le livre, là. Il a fait un discours comme ça. Il dit, moi, j'ai comme l'impression que les Africains ont peur d'être indépendants. J'ai comme l'impression que l'Afrique a peur d'être indépendant. Il dit, quand je vois mes collègues chefs d'État africains qui vont acheter des choses en France, et puis après, les mêmes blancs là, prennent leurs biens et puis disent que les biens mal acquis. Il dit, moi, Gbagbo Laurent, ça me fait pitié pour l'Afrique. Il dit, moi, je viens investir chez toi. Et puis tu m'étais de voler, mais je n'investis plus là-bas. Il dit, c'est pourquoi je ne vais même pas en congé ou en vacances en France. Il dit, quand je vais en France, c'est simplement pour parler un peu, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir un peu. Il dit, moi, quand je vais aller en vacances, je m'en vais à Mama. Tu n'as pas écouté le discours là, ça y est sur Internet. Quand même, tu ne parles pas d'un homme qui n'a pas été écouté ou qui n'a jamais été écouté. Tu parles quand même de Gbagbo Laurent. Tu ne vas pas venir convaincre quelqu'un que Gbagbo Laurent n'est pas panafricain. Moi, j'aimerais voir comment tu vas le démontrer. Parce que là, tu l'affirmes simplement. Mais dans l'affirmation, moi, j'ai déjà tout démontré. Je viens de donner 4 faits qui prouvent que Gbagbo est panafricain. Et il y en a de multitudes de faits. Et si je prends mon temps pour m'asseoir, pour fouiller sur Internet, pour que les gens l'écoutent, les gens auront honte de ton direct là. Et je pense que demain, c'est ce que je vais faire. Parce qu'il faut que les gens l'entendent parler. Puisqu'il y a nos petits frères qui ont les 18 ans, qui étaient très petits dans le temps. Il faut qu'on entende parler de l'Afrique. Que Gbagbo n'est pas panafricain. On aimerait voir comment tu vas démontrer. On y va. Allons maintenant en profondeur. Par exemple, je suis dans la profondeur. Puisque je n'aime pas trop les surfaces. C'est vrai qu'en toute chose, il faut introduire. Mais souvent, il faut... Et en toute chose, il faut l'introduction, mais souvent, il faut aller en profondeur. Merci YouTube, vous êtes 500 personnes en ligne. Merci beaucoup, chers camarades. Donc, on va continuer un peu. J'ai envie de faire à peu près, on va l'écouter un peu pour 10 minutes.
Et demain, on continue. Donc, on y va. Il n'a jamais créé ce cadre-là. Il n'a jamais créé ce cadre. Il a toujours été hostile. Il n'a jamais créé le cadre. Mais le blé goudé, là même, là, le tête d'aujourd'hui, là, son mouvement, qui était le mouvement de soutien à Gbagbo Laurent, le COJAP, là, c'était pas un parti politique, tu le sais au moins. C'était un mouvement typiquement pour soutenir Gbagbo Laurent. C'est après que Blé Goudé a transformé cela en parti politique. Mais quelle est la définition du COJEP? Un mouvement qui me soutient, moi qui ne suis pas panafricain, mais il y a un mouvement qui s'est mis en place pour ma cause. Et ce mouvement, il y a le mot panafricain dedans. Et moi, je ne dis pas aux gens, changez le mot là. Parce que Gbagbo Laurent, mais il était comme le père même de la FESI. Il était comme le père même du COJEP. Tous les membres du COJEP étaient les membres du FPI. Ils savaient très bien que le COJEP signifie congrès panafricain. Mais il n'a jamais dit aux gens d'arriver panafricain, lui qui n'est pas panafricain. Il a laissé ce congrès-là, il a laissé ce mouvement-là le soutenir jusqu'au bout. Tu vois, non? Tu vois? C'est ça la triste réalité. Tu as entendu à Agboville hier, il a dit que j'ai nationalisé les banques françaises. Parce que les banques françaises sont en train de nous combattre dans nos propres pays. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays africain. On a des banques qui viennent, qui sont sur notre terre et qui nous empêchent de payer nos fonctionnaires. Alors lui, il prend les banques là, Société Générale. Il ne sait pas si on dit Société Générale et puis il ne sait pas si c'était Benoumé ou quoi là. Il prend les banques françaises et puis il nationalise ça. Ça devient les banques africaines. C'est pas un panafricain? Lui-même, il a dit ça. Quelqu'un n'est pas panafricain, mais il combat le franc CFA. Tu n'as pas entendu tout récemment? Et il a dit même d'ici 10 ans, tous les pays africains vont sortir du franc CFA. Tu n'as pas entendu ça, il n'est pas panafricain. Il est même le seul ancien chef d'État qui continue de combattre le franc CFA. Tu vois, non? Qu'est-ce que tu vas dire pour prouver que Gbagbo n'est pas panafricain? J'aimerais voir ça demain. Parce que demain, on va rentrer en profondeur. Parce que toi, tu tournes trop autour du pot. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité, chers camarades. On va poursuivre un peu. Pays africain qui nous environnait. Et M. Laurent Gbagbo, mais c'est grâce à lui. Si nous, aujourd'hui, là, on a eu un moment donné de notre histoire, la détestation de l'autre en nous, mais c'est un fondement, c'est Gbagbo Laurent. Il y a plein d'Ivoiriens de mon âge qui a dit qu'à un moment donné de son histoire, il n'a pas détesté Gbagbo Laurent, il n'a pas détesté le Burkinabé, il n'a pas détesté les Maliens, les Guinéens, etc., etc. La détestation dont tu parles, il faut qu'on en parle un peu. Chers camarades, on est dans un pays, quelques personnes comme les IB et les Soro, et puis les clans, vont dans un autre pays, vont recruter les gens pour les mettre en bœuf, pour rentrer et pour faire plus de 100 000 décès. De vous à moi. De quelle détestation tu parles? Qui vous a dit que les Ivoiriens qui se battaient hier là se battaient contre les Burkinabés? On se bat et on s'est battu contre les rebelles Burkinabés. C'est différent. Même jusqu'à présent, je pense cela, hein. Tu es Burkinabé, tu laisses ton Burkina, tu viens encore là pour faire rébellion, par conséquent tu es mon ennemi. Ça, on ne peut pas m'en vouloir pour ça. Mais regarde, même regarde sur YouTube, où j'ai fait le direct actuellement. Même sur Facebook. Même Facebook, il faut regarder. Ma photo de couverture, c'est Ibrahim Traoré qui est couché là-bas. YouTube, ma photo de couverture, plus ma photo de profil, c'est Ibrahim Traoré qui est couché là-bas. Mais c'est un Burkinabé. Mais pourquoi je le prends pour le mettre en photo de profil? Au lieu de prendre même un président africain et un président ivoirien, ou même Gbagbo Laurent directement. Tu vois, non? Je continue de croire que le Burkinabé qui a laissé le Burkina pour venir tuer ses frères africains en Côte d'Ivoire, celui-là, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon ami. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Dramane Ouattara était un voltaïque, mais ce n'est pas un Burkinabé. Beaucoup ne m'ont jamais demandé, mais pourquoi tu dis cela? Cela a un sens. Quand il avait le passeport de ce beau pays, le pays s'appelait Haute Volta. En 90, quand il est venu chez Dramane pour renier sa nationalité, le pays s'appelait maintenant Burkina Faso. Par conséquent, le Burkina qui est là, ce n'est plus son pays. S'il veut trouver son pays, qu'il aille dans la Haute Volta. Il a qu'à nous montrer sur la carte de l'Afrique là. Quel est le pays qu'on appelle Haute Volta? C'est là-bas qu'il doit partir, pas au Burkina Faso. Tu vois, non? Donc, Johnny, quand tu as 45 ans là, tu dois maintenant comprendre qu'à ton âge, on doit faire la part des choses. Parce que là, tu mélanges tout. Tu dis, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas détesté les Burkinabés. On n'a pas détesté les Burkinabés. On a détesté les rebelles Burkinabés. C'est ça, on les a combattus. C'est même pas détesté même, on a fait guerre avec eux. Toi, tu parles de détester. Les rebelles Burkinabés. Et puis, ce n'était pas le Burkina seulement. C'est même tout l'AES, si tu veux. Parce qu'il y avait des Maliens, compris les hommes. Des Maliens qui vivaient en Côte d'Ivoire. Ou même des Maliens recrutés. Il y avait des Guinéens. Etc, etc. C'est pas seulement le Burkina, frère. Le Burkina ressort beaucoup dans l'histoire tragique de la Côte d'Ivoire parce que Blaise Compaoré a donné une base militaire pour que les rebelles s'entraînent. Tu vois, non? Et c'est de là-bas directement qu'ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés au Mali, ils ne sont pas passés au Niger, ni en Guinée. Ils sont passés par le Burkina directement pour venir tomber sur le pays. C'est pourquoi souvent le Burkina ressort beaucoup. Parce que leur président même était de mèche avec ces gens-là. Et ils ont même appelé Gbagbo Laurent pour dire, hé, hey, on voit les gens ici qui s'entraînent, ils vont tomber sur toi. Et Gbagbo a dit, on voit le dos du nageur. Toujours tu répètes cette portion de phrase-là. Mais c'est du même Burkina, là. Non, c'est tout ça qui a fait que le Burkina est beaucoup sorti. Sinon, l'Ivoirien n'a pas problème avec Burkina. Mais voilà, moi, je suis Ivoirien, je parle pour Ibrahim Traoré.
Je le mentionne comme le meilleur chef d'État africain actuel. Mais ce n'est pas burkinabé d'origine. Et je cherche même à prendre leur passeport. Ah oui, un bon matin, il est venu me montrer le passeport burkinabé. Par miracle, vous allez voir. Et le jour que je vais là-bas, tu vas voir combien Gamana va sortir. Et puis on va chanter, on pompe le cœur pour Ibrahim. Et ils vont venir, ils ne vont pas chercher à me tuer. Parce que ce n'est pas les mêmes burkinabés rebelles qui ont fait la rébellion. Ceux-là, ce sont de nouveaux burkinabés. Et puis dans la vie, là, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Même le frère burkinabé hier qui nous a Bamougou, s'il est retourné au Burkina, qu'il est derrière Ibrahim Traoré, qui n'est plus dans les affaires des dramas, là, c'est mon frère. Voilà. C'est-à-dire même le burkinabé rebelle, qui a reconnu son erreur, qui est reparti dans l'AES, qui soutient maintenant monsieur Ibrahim Traoré, c'est encore mon frère. Donc mon frère, tu veux liguer nos frères burkinabés contre le PPACI, contre les Ivoiriens, parce que tu n'as plus d'arguments. C'est que tu fais là. Tu veux simplement réveiller les plaies d'hier que vous, votre parti a causé. C'est ce que tu veux faire. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera même pas. Tous les Burkinabés qui sont dans le direct, mettez Johnny le tunnel, tu as échoué. Et